Excellences, mes chers pères et frères dans le sacerdoce, vous me voyez particulièrement heureux de me trouver dans votre belle assemblée qui représente les forces vives de la vie apostolique dans votre église du Liban, dont la réputation de dynamisme, de zèle et de profondeur spirituelle est répandue dans notre Occident en voie de décomposition morale et spirituelle, depuis fort longtemps d'ailleurs. Cependant, il y existe aussi une soif de connaissance de Dieu chez un nombre non négligeable de personnes qui attendent votre prière et votre exemple dans bien des domaines pour affermir leur foi et s'organiser ecclésialement malgré l'opposition des autorités civiles locales et quelquefois du non-intérêt des églises mères. Mais le thème sur lequel je dois intervenir aujourd'hui n'est pas en rapport avec la situation de l'Église orthodoxe en Occident. Je voulais simplement saluer la ferveur de votre propre Église, que notre admiration ait suscité en même temps votre prière et l'aide des membres de votre Église, notamment lorsqu'ils se trouvent dans notre pays pour leurs études, pour leur profession, voire à cause d'un exil forcé. Et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui plus que jamais, hélas. Si nous voulons aborder le sujet de la paternité spirituelle chez les prêtres, dans notre église orthodoxe bien sûr, il me semble qu'il faille préalablement remarquer que deux aspects, ou plutôt deux modes d'exercice de cette paternité se distinguent nettement. Il y a un mode que j'oserais appeler maladroitement institutionnel, de la vocation paternelle sacerdotale, qu'il faudrait mieux sans doute appeler la paternité ecclésiale, et un mode sans doute charismatique, sans que l'on puisse totalement séparer l'un de l'autre, ce que je ferai pourtant pour mieux cerner notre sujet. Les pères de l'Église ont conçu leur sacerdoce en lui-même comme une authentique paternité spirituelle, ce qui fait que celle-ci s'exerce pour eux et pour nous, leurs lointains successeurs, loin dans le temps mais proche selon l'esprit. Notre paternité spirituelle s'exerce donc particulièrement et essentiellement par la vie sacramentelle et autour d'elle. Il est évident que ces pères, que le prêtre, il est évident pour ces prêtres que les prêtres et la présence visible du Christ invisible, que sa raison d'être n'est pas d'administrer une communauté ou de l'animer. Ces pères ne peuvent pas concevoir le rôle du prêtre pasteur autrement que comme un représentant de Dieu mis au service des fidèles de l'Église pour les engendrer à la vie divine, les aider à croître dans leur connaissance de Dieu et les aider, avec miséricorde, à retrouver leur communion avec la Sainte Trinité et avec tous les hommes lorsque, d'une manière ou d'une autre, ils ont rompu volontairement ou involontairement cette communion sans laquelle il n'y a pas de vie. C'est tout d'abord en leur conférant le baptême que le prêtre enfante des enfants à Dieu. Il les fait naître à une vie nouvelle en Christ. Ainsi s'exprime Saint Jean Bouche d'Or, ce sont les prêtres, oui, c'est eux auxquels ont été confiés les enfantements spirituels et qui ont reçu la charge d'appeler à la naissance par le baptême. Par eux, nous revêtons le Christ, nous sommes ensevelis avec le Fils de Dieu, nous devenons les membres de cette tête bienheureuse, si bien qu'il pourrait, à juste titre, être pour nous plus digne d'honneur que nos parents, car ceux-ci nous ont engendrés du sang et de la volonté de la chair, mais ceux-là sont les auteurs de notre naissance en Dieu, cette bienheureuse nouvelle naissance de la véritable liberté et de la filiation selon la grâce. C'est ainsi que les prêtres peuvent se dire en vérité les pères selon l'esprit de ceux qu'ils ont baptisés. Bien sûr, cette filiation selon la grâce est une manifestation de la paternité divine que les prêtres assument en son nom, comme ses représentants. Le père a confié au fils le sacerdoce, le pouvoir d'engendrer à la vie nouvelle en lui, et les prêtres, en collaboration avec les évêques qu'ils assistent dans ce ministère d'engendrement, transmettent ce pouvoir aux croyants qui veulent s'agréger au corps du Christ pour devenir un en lui avec le Père et l'Esprit Saint. Comme nous le voyons, la paternité spirituelle du prêtre
est une médiation entre Dieu et les hommes. Au nom du Christ, qui a dit à Pierre et à ses apôtres, « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » Ce n'est pas une mince responsabilité, pas plus mince que celle d'un père selon la chair, qui exerce son autorité sur ses enfants et ses facultés de devoir d'éducation en usant parfois d'une réelle et indispensable sévérité alliée à une grande miséricorde. Le prêtre père spirituel porte avec ses enfants leurs joies et leurs souffrances, leurs angoisses et leurs échecs, et les ayant pris ainsi sur lui, il les offre à Dieu en communion avec le Christ. S'il exerce cette paternité, c'est en vivant dans son âme et dans son corps, une identification mystérieuse mais réelle avec notre Père Céleste en communion avec le sacerdoce de Jésus par la présence et la force du Saint-Esprit. La responsabilité du Père spirituel est très grande, plus grande même que celle des pères selon la chair. En effet, les fautes de ces derniers n'engendrent que des conséquences terrestres, ou presque, qu'il convient cependant d'éviter, alors que la négligence d'un père spirituel engage le salut de son enfant. Ainsi, doit-il exercer une véritable surveillance, laquelle n'est pas une suspicion tatillonne et un contrôle étriqué des faits et gestes des paroles et des pensées de ses enfants spirituels, non plus qu'un espionnage, mais un profond discernement sur ce qui lui est confié, ce que lui confie ou ne lui confie pas, mais qui transparaît, celui qui veut être son fils spirituel. Le père spirituel doit déceler ce qui relève de la lutte authentique contre les passions et l'acquisition des vertus, ainsi que le degré d'ascèse ou la quantité de prières de ses enfants spirituels, ou ce qui relève du domaine de l'illusion spirituelle ou du manque de discrétion. La discrétion, c'est cette faculté qui consiste à discerner ce qui est bon, de discerner la juste mesure, l'équilibre nécessaire à l'un et à l'autre, de manière à permettre à chacun de donner le maximum de lui-même sans pour autant le tendre et lui conseiller de faire toujours davantage, ce qui conduirait au risque des découragements ou du laxisme aussi préjudiciable l'un que l'autre. Notre père Saint Jean Chrysostome tient à faire remarquer aussi que la paternité spirituelle implique le pouvoir et le devoir de punir à la place de Dieu lorsque c'est nécessaire. Ceci m'amène à évoquer l'autorité du prêtre, qui est une manifestation de sa paternité, et les épithymies en sont une forme. C'est ainsi que dans certains cas, le père spirituel peut être amené à imposer un temps de pénitence, une période d'ascèse ou de prière particulière, voire un pèlerinage ou une aumône proportionnée aux possibilités de son fils spirituel, ou encore une période plus ou moins prolongée d'abstention de réception de la communion eucharistique dans le but d'aider ou d'éduquer le fils spirituel qui s'adresse à lui, mais toujours avec bonté et miséricorde. Nous devrions revenir là-dessus un peu plus tard. Est-il utile de rappeler que les pasteurs ne peuvent que rester humbles eu égard à leur paternité spirituelle? En effet, celle-ci ne vient pas d'eux, mais elle est un don de Dieu, une mission donnée par le Père. Même le Christ ne s'est pas attribué à lui-même la gloire d'être grand prêtre. Il en a reçu la mission de son père, qui au moment du baptême a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Selon ce que dit saint Paul aux Hébreux, nul ne s'attribue à lui-même cet honneur, le sacerdoce, sinon celui qui est appelé par Dieu comme Aaron. Ainsi, ce n'est pas le Christ qui s'est glorifié lui-même pour devenir grand prêtre, mais c'est celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Ainsi, le sacerdoce qu'exerce Jésus au nom de son Père, il le reçoit de lui, et à son tour, le Christ le transmet aux apôtres très d'abord, puis aux évêques et aux prêtres par le Saint-Esprit. La paternité spirituelle du prêtre s'exerce encore par le don des saints mystères, par la célébration de la divine liturgie. Le père prêtre
met à la disposition de ses fils adoptifs le royaume, la vision du royaume des cieux qui descend sur eux et en eux, et vers lequel ils s'élèvent, déposant tout souci de cette vie, comme nous le chantons dans l'hymne des chérubins. Puis, élevés dans les hauteurs comme Moïse l'a été sur le mont Sinaï, il les nourrit spirituellement par la communion au saint mystère. Au nom du Christ, toujours, il est leur Père nourricier, car uni au Père céleste par sa communion au sacerdoce de Jésus, le prêtre peut multiplier et distribuer le pain unique qu'est le Christ, le rompant sans le diviser, le distribuant sans jamais l'épuiser, pour nourrir les enfants de Dieu devenus les siens, affamés et repentants. Il les abreuve à l'intarissable source de vie divine qui coule éternellement du côté de Jésus crucifié et ressuscité, les faisant entrer avec lui et en lui dans la vie éternelle qui n'est autre que la vie de Dieu qui leur est ainsi communiquée. La paternité spirituelle des prêtres ne s'exerce pas seulement par le pouvoir d'agrégation des enfants au corps du Christ par le baptême et par la communion au Saint-Mystère, mais encore dans le vaste domaine de l'éducation. En effet, il convient qu'avec patience, persévérance et pédagogie, non seulement d'enseigner la doctrine de l'Église, c'est-à-dire la connaissance de la foi à laquelle Jésus nous a initiés, connaissance qu'ont expliquée et transmise les apôtres et à leur suite les témoins de la tradition de l'Église, mais encore de les éduquer à édifier, à structurer leur conscience et leur apprendre à développer leur soif de vie spirituelle, leur soif de connaissance de Dieu, d'humble expérience de la présence divine dans le monde, en eux-mêmes et chez les autres. Pour cela, l'apprentissage des vertus, non pas comme des richesses à développer pour elles-mêmes, car même les vertus peuvent devenir des idoles pour nos cœurs un peu tordus. Par exemple, de dire « Je suis fier d'être obéissant, j'aime être serviable, quelle joie de savoir prier, etc. » Donc les vertus doivent être enseignées et montrées par l'exemple aussi réprochable que faire se peut. Et parmi elles, l'obéissance, sans laquelle il est impossible de suivre Jésus et dont l'absence engendre des maux, des disputes et des guerres, car le fondement de la vie humaine, ou plus exactement de la vie chrétienne, de la vie en Christ, est le renoncement à sa volonté propre. Ceci n'a-t-il pas été au cœur de la vie de Jésus, lequel obéissait à son Père et obéissait aux hommes jusqu'à la mort? Comment initier nos enfants à partager les dispositions d'esprit qui furent celles de Jésus, qui renonça volontairement à l'exercice de sa gloire divine qui lui revient en droit par sa nature, pour se faire par obéissance à son Père, semblable aux hommes, jusque dans leur malheur et leur déchéance, hormis le péché bien sûr, selon ce qu'expose Paul aux Philippiens? Comment donc les initier à la vérité, à la réalité, à l'exigence de la vie chrétienne, sans le souci ardent de les éveiller par l'enseignement et par l'exemple à cette nécessité spirituelle et vitale de l'obéissance? Il faut au prêtre père toutes ses capacités pédagogiques pour transmettre les Écritures et toute parole de Dieu, mais plus encore pour ouvrir le cœur de ses enfants à l'attention à la parole de Dieu qu'il leur adresse personnellement, leur apprendre le discernement, notamment pour voir comment Dieu agit dans le monde et où il le conduit, de manière à ce qu'il lui rende grâce et crie eux aussi « Que ta volonté soit faite, comme au ciel, sur la terre aussi ». Chacun des enfants doit recevoir une éducation adaptée et spécifique, peut-être différente dans sa forme, mais pas dans son esprit, qui est toujours celui de l'Évangile. Seul un vrai père peut accomplir cela, qui se met dans la peau de son ou de ses fils, qui devine ses interrogations, ses tentations, qui partage ses peines et sa recherche, sa soif et même ses échecs.
Le père doit mener ses enfants à l'âge adulte. Chacun est différent, chacun est libre, mais il faut éduquer, orienter, reprendre, corriger l'exercice de la liberté de ses enfants. « J'étais libre à l'égard de tous », écrivait saint Paul, « et je me suis fait l'esclave de tous pour en gagner le plus grand nombre. Je me suis rendu faible avec les faibles pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver en tout cas un certain nombre. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » La paternité spirituelle du prêtre s'exerce encore par son ministère de réconciliation avec Dieu, notamment par le ministère de la confession et de la direction spirituelle, mais cet aspect-là, nous allons en parler un peu plus loin. Le ministère de la confession, qui est bien battu en brèche en Occident actuellement, et même dans l'Église orthodoxe, sinon d'une manière théorique, mais bien d'une manière pratique, ce qui fait d'ailleurs que ceux qui veulent à juste titre maintenir la tradition de la confession des péchés le font parfois avec un évident manque de discernement, mais avec rigidité et formalisme, qui assurément dessert la cause de ce sacrement. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais l'Occident a plutôt tendance, c'est un euphémisme, à exporter partout dans le monde ses modèles et ses schémas de pensée. Ceci est d'ailleurs parfaitement naturel, car la faute grave de l'Occident, c'est l'humanisme, la manière humaine de voir et de concevoir toute chose, donc de ne considérer que le monde déchu. Cette forme d'insurrection spirituelle qu'est l'humanisme représente d'ailleurs une remarquable plasticité et peut tantôt se présenter comme une philosophie, tantôt comme une science, un savoir objectif s'imposant à nous, à tous, et devenant le critère supérieur à toute autre conviction. N'est-ce pas de cet habillement que se revêt aujourd'hui le vieil humanisme occidental, le discrédit qui s'est abattu sur la confession depuis plusieurs décennies, n'a-t-il pas, entre autres causes, été induit par la montée et la vulgarisation de beaucoup d'approches psychologiques s'opposant toutes comme rigoureuses et comme libératrices? Cet humanisme, quelles qu'en soient ses formes, propose au reste du monde que celui-ci est naturellement enclin à adopter comme une tentation, ainsi que l'avait fait jadis notre mère Ève et son époux Adam sous l'instigation perverse et sournoise du tentateur le diable. Force nous est de constater que si par le baptême, le père spirituel qui est le prêtre engendre un enfant à Dieu, cet enfant ne sera véritablement un enfant que s'il demeure en Dieu. Le péché le fait quitter cette demeure et donc son identité de fils est salie, comme pour le fils prodigue de la parabole évangélique. Saint Jean Chrysostome l'avait fait remarquer, « Atite, mon vrai fils, il y a en effet des fils qu'on ne reconnaît point pour ses vrais fils comme celui dont il est dit, « Si quelqu'un qui se nomme fils est fornicateur ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, ne mangez pas même avec un tel homme. Un tel homme est un fils, mais ce n'est point un vrai fils. C'est un fils qui a reçu la grâce une fois et a été régénéré. Mais ce n'est point un vrai fils, car il est indigne de son père, car il se met sous un autre maître. En effet, dans l'ordre de la nature, le vrai fils ne se distingue du fils illégitime par sa mère, et il le porte le nom de son père. Dans l'ordre de la grâce, il n'en est pas ainsi. C'est par choix qu'on est fils. Ainsi aussi appartient-il à celui qui est un vrai fils de ne pas croire qu'il puisse passivement demeurer tel, mais à celui qui ne l'est pas de le devenir. En effet, ce n'est point par la nécessité de la nature que cette question est décidée, c'est par la liberté de choix, de là tant de changements. Onésime, par exemple, était un vrai fils, mais il cessa de l'être pour un temps parce qu'il devint méchant. Ensuite, il le devint au point que l'apôtre l'appelait ses propres entrailles. Dans le cas où le fidèle se sera détourné de Dieu par son péché, par son oubli, par ses reniements,
le Père spirituel, le prêtre, agissant bien au nom du Père du ciel, devra courir au-devant du Fils, qui par son repentir, ou même son esquisse de repentir, amorce un mouvement de conversion et de retour vers Dieu. Par ses paroles et sa douceur, par sa compréhension et son absence de jugement, je ne parle pas de discernement, évidemment indispensable, par une exhortation appropriée pour toucher son cœur, sans chercher à contraindre sa conscience, le Père lui fera comprendre le drame que constitue la séparation de l'âme d'avec Dieu et d'avec ses frères. Écoutez ces accents profondément paternels de l'évêque de Constantinople. « C'est maintenant le temps des pleurs, disait-il, et ce n'est pas le gémissement qui est pénible, mais bien aimé. C'est plutôt qu'on commette ce qui mérite le gémissement. Ce ne sont pas les larmes qu'il faut éviter, mais les actions qui méritent les larmes. Ne soyez pas punis, et je cesse de gémir. Ne mourrez point, et mes larmes s'arrêtent. Mais quoi ? Devant un cadavre, vous demandez à tous un tribut de pitié ? Vous appelez cruels ceux qui ne gémissent point, et vous voulez que je ne pleure pas une âme qui périt ? Mais puis-je être père sans pleurer ? Car je suis bien votre père, plein de bon vouloir et d'amour. Écoutez ce cri de Paul, mes petits enfants, que je mets au monde dans la douleur. Quelle mère dans l'enfantement pousse des cris plus douloureux ? Plût à Dieu que vous puissiez voir ce feu qui me dévore. Vous avoueriez que je suis brûlé par le chagrin tout autant qu'une mère ou qu'une épouse jeune encore et veuve avant le temps. Celle-ci pleure moins son époux, un père pleure moins son fils que je ne gémis sur cette multitude des nôtres chez lesquels je n'aperçois aucun progrès dans le bien. Ce qui fait d'un prêtre un père spirituel, c'est sa capacité de compassion pour l'autre, sa capacité de prendre sur soi les souffrances et les péchés de l'autre, sans en être affecté dans son âme, et à les présenter devant Dieu. Pour un père spirituel, le péché de son fils devient son propre péché. Il ne s'en porte pas évidemment responsable. Il en porte la brûlure avec son fils, et il lutte par la prière et la compassion pour que celui-ci se relève. Il présente à Dieu la détresse de son enfant. Il la fait sienne, et dans une profonde expérience de componction, de retournement intérieur, de conversion, de supplication, il intercède pour son enfant, comme Abraham intercédait pour les 10 justes qui restaient peut-être à Sodome. La souffrance du fils devient la souffrance du père. Inversement, la foi en la miséricorde divine, la confiance dans la faculté de Jésus de restaurer la personne à son image, sa paix due à la certitude que Dieu arrange toutes choses au mieux pour les enfants, tout cela, le Père spirituel le communique à celui qui l'a pris comme Père, sans le lui dire, mais d'une manière réellement efficace. Comme le Père de la parabole, le Père spirituel accueille tous les enfants prodigues qui reviennent vers Dieu. Mais ceux-ci se font parfois attendre, et leur Père partage la tristesse de Jésus, parfaite image du Père miséricordieux. Et par-dessus tout, dit Ambroise de Milan, donne-nous le savoir, de savoir partager du fond du cœur l'affliction de ceux qui pêchent. C'est là la vertu suprême, car il est écrit, tu ne te réjouiras pas sur les fils de Judas au jour de leur ruine, et tu ne feras pas de grands discours au jour de leur tribulation. Chaque fois qu'il est question du péché de quelqu'un qui est tombé, puissais-je plutôt compatir, puissais-je, au lieu de me répandre en invective avec orgueil, plutôt gémir et pleurer de telle façon que tout en pleurant l'autre, je pleure aussi sur moi-même. Qu'on n'aille pas croire, surtout, que cette forme de paternité spirituelle, que j'ai appelée institutionnelle, soit banale parce qu'elle est connue, commune à tous les prêtres, en vertu de la présence de l'Esprit-Saint par leur ordination. Si le Père spirituel vit son sacerdoce autrement que comme une fonction humaine de distributeur de sacrements ou d'administrateur d'une communauté humaine, fût-elle ecclésiale, le don des sacrements est la célébration mystique de la liturgie, c'est-à-dire l'expérience dans la foi de la présence transfigurante de Dieu et de toute la cour céleste,
en même temps que celle de tous nos frères, engrangés dans le royaume des cieux, des saints connus ou anonymes, ceux déjà endormis et ceux qui viendront encore après nous. Alors, ce don de la grâce de Dieu et son expérience liturgique font véritablement un père s'il y met toute sa force et engage sa vie intérieure. Il le ressent d'ailleurs comme tel. Saint Paul, toujours comme exemple, trouvait une joie, une affection profonde dans la paternité spirituelle qu'il exerçait. Mais sa joie n'était pas due à son ministère en lui-même, mais à la certitude qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Et lorsqu'il constatait des progrès dans l'avancement spirituel de ses enfants, il écrivait aux Corinthiens « Je me glorifie beaucoup de vous. Je suis rempli de consolation. Je surabonde de joie dans toute votre tribulation. Je me réjouis maintenant, dit-il encore, non de ce que vous avez été contristé par la lettre que je vous ai fait parvenir, mais de ce que vous avez été contristé de manière à faire pénitence, car vous avez été contristé selon Dieu, de sorte que vous n'avez reçu de nous aucun dommage. » Un aspect non négligeable de la façon dont nous pouvons concevoir la paternité spirituelle des prêtres et des évêques réside dans le fait que non seulement ils tiennent leur paternité en tant que représentants tous de Dieu, mais encore parce que cela implique qu'ils se sentent véritablement liés à l'Église, comme un époux l'est à son épouse. C'est de l'Église qu'ils tiennent leur paternité, et c'est pour cela qu'ils sont ordonnés. C'est pour cette mission divino-humaine que l'évêque leur a imposé les mains, comme le signifie le mot grec de kyrotonia, l'ordination, en signe de transmission du pouvoir de lier et de délier, d'engendrer des fils à l'Église, fils qui leur sont momentanément confiés. Dans son oraison funèbre de Basile le Grand, saint Grégoire de Nazianze, comparant son ami de Césarée à Isaac, le présente comme l'époux de l'Église avec laquelle il engendre des fils à Dieu. Lui, Isaac, il s'est offert lui-même et sa Rebecca, je veux dire l'Église. Il ne l'a pas épousée de loin, mais de près, non par l'entremise d'un serviteur, mais comme un don reçu de Dieu et confié par lui. Il ne s'est pas laissé tromper sur la préférence à donner à ses enfants, mais il rendait à chacun selon ce mérite, en dehors de tout faux calcul, assisté du discernement de l'esprit. Par voie de conséquence, l'exercice de la paternité spirituelle de tout pasteur ne peut se réaliser que dans l'obéissance. Si elle est une médiation, elle est soumission à l'Église, corps du Christ, et à son représentant comme grand prêtre l'évêque. Ceci se réalise dans le lien du prêtre avec son évêque, dans les dispositions canoniques et pastorales, et quelquefois pour des questions graves, pour la rémission même des péchés dont le ministère est réservé alors à l'évêque. C'est précisément pour cela que le pouvoir de confesser est donné à part de l'ordination sacerdotale par une bénédiction spéciale. Le grand prêtre, c'est l'évêque, et l'évêque délègue certains de ses pouvoirs aux collaborateurs qu'il se choisit, les prêtres ou certains d'entre eux. De même que l'enfant obéit volontiers à son père parce que entre eux il s'est établi une relation d'amour et de confiance, de même cette relation doit exister entre l'évêque et son prêtre pour que celui-ci à son tour manifeste la paternité de l'Église auprès des enfants qui lui sont confiés et pour lesquels il doit être un bon pasteur et non point un mercenaire qui n'a pas de soucis pour les brebis. Nous avons vu précédemment la nécessité de s'adapter aux besoins des uns et des autres, comme le fait un père vis-à-vis de ses enfants, différents en âge, en caractère, en talent, par leurs qualités et leurs défauts. Leurs âmes ne sont pas identiques, chacun a ses faiblesses, chacun est doté de ses richesses, chacun a sa maturité. Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, dit saint Paul, mais seulement comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants. C'est du lait que je vous ai fait boire, non de la nourriture solide, vous ne l'auriez pas supporté. Chacun des enfants doit donc recevoir une éducation différente dans sa forme, mais pas dans le fond. Celui qui doit le faire de manière spécifique, c'est le père, car il doit mener l'enfant à l'âge adulte. Mais chaque âme est différente, et le modelage de chacune est différent, comme le constatait saint Paul, qui savait s'adapter. Oui, libre à l'égard de tous,
Je me suis fait l'esclave de tous pour en gagner un plus grand nombre. Je me suis fait tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et cela, je le fais à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ceci démontre la nécessité d'adapter son attitude paternelle en fonction des besoins des uns et des autres. Cela ne se fait pas par quelque institution, aussi sacrée soit-elle, mais par l'intervention de l'Esprit-Saint dans la personne qui exerce cette paternité. Nous connaissons tous la distinction que fait saint Paul entre le sacerdoce lévitique selon Aaron et celui selon Melchisédek. Ces deux formes de sacerdoce sont représentées dans la paternité spirituelle. Nous avons parlé jusqu'ici du sacerdoce d'Aaron. Il faut aussi évoquer la paternité spirituelle qui s'exerce dans la même personne des prêtres selon l'ordre Melchisédek. C'est ce que j'ai appelé la paternité charismatique. Cette paternité spirituelle se manifeste particulièrement, cette forme de paternité spirituelle s'exerce particulièrement dans la direction spirituelle des âmes qu'il faut conduire vers Dieu et qui le demandent souvent explicitement même. Elle s'incarne dans toute la vie du prêtre et se manifeste à travers son amour des pauvres, sa défense de la justice, sa conscience missionnaire et son souci des âmes qui relèvent de la paternité spirituelle. Elles en sont les conséquences vitales. Toutes choses qui ne peuvent pas être téléguidées par l'autorité ecclésiastique, mais qui relèvent des charismes éventuels de chacun et des circonstances dans lesquelles le place la providence divine. Ainsi, Ambroise de Milan, par exemple, dut s'occuper de charges administratives parce que les autorités civiles y étaient alors impuissantes, comme s'il s'était aussi employé à intervenir dans les problèmes relatifs au trafic du blé ou au bannissement des étrangers, alors que des prêtres de grande capitale ont été nombreux à construire et organiser des hospices ou des dispensaires pour les plus démunis. De nos jours, nombreux sont les prêtres qui exercent leur paternité en accompagnant les déshérités, en pourvoyant aux besoins des veuves et des orphelins, en soulageant et en encourageant les victimes des grands conflits internationaux, en nourrissant les nécessiteux de plus en plus nombreux pour lesquels la société civile ne fait pas suffisamment. Saint Grégoire pensait à ses pères selon l'esprit lorsqu'il décrivait l'œuvre pastorale de Saint Basile. Je crois que les veuves feront l'éloge de leur protecteur, les orphelins de leur père, les mendiants de l'ami des mendiants, l'étranger de l'ami de l'étranger, les frères de l'ami de ses frères, les malades de leur médecin, de quelque maladie et de quelque médecine qu'il s'agisse, ceux-ci sont en bonne santé du gardien de la santé et tous de celui qui s'est fait tout pour tous afin de les gagner tous ou presque tous. Et les starets, me direz-vous, nous n'en parlons donc pas, mais soyons directs. Lorsqu'on parle de paternité spirituelle, on pense tout de suite aux grands-pères spirituels qu'ont été, par exemple, les starets d'Optino, les séraphins Sarov, ou les pères Païsios ou Porphyrios de la Sainte Montagne tout récemment, et de bien d'autres qui furent particulièrement nombreux en cette fin du XXe siècle. Je ne nie pas leur importance, bien sûr. Mais cette paternité spirituelle particulière est un charisme qui a été donné à certains. Et ce n'est pas un charisme que tout le monde puisse avoir ou que l'on pourrait imiter. Y prétendre, d'ailleurs, serait de l'illusion. J'espère avoir montré par le début de cette intervention que le simple ministère sacerdotal n'en est pas moins grande paternité que celle des pères spirituels réputés comme tels. Certes, il y a eu des prêtres exceptionnels, comme saint Jean de Kronstadt, qui ont drainé des foules qui venaient auprès d'eux chercher réconfort et conseil, voire des guérisons, mais comme je le disais, personne ne peut y prétendre de son propre vouloir. C'est du domaine du don gratuit de Dieu pour le service de toute l'Église, parce que le temps est mûr pour cela. Et Dieu seul le sait. En revanche, puisque tous les prêtres sont amenés à jouer ce rôle, il importe de bien s'y préparer. La première des préparations est d'insister sur la prière personnelle, et notamment, quand c'est possible, sur la prière nocturne, autant que faire se peut. L'expérience universelle montre que prier la nuit est plus facile. Le monde est calme, l'ombre favorise le recueillement, la fièvre de la vie s'apaise,
Et celui qui prie la nuit est un veilleur pour le monde. Il illumine celui-ci, il est une lumière qui illumine les ténèbres. Bien sûr, l'efficacité de la prière n'est pas ressentie immédiatement et heureusement. Parce que celui qui croit qu'il prie, celui-là ne prie pas. Parce qu'il s'occupe de lui-même, parce qu'il se contemple lui-même, il se détourne de la contemplation de Dieu. Pourtant, pendant ce temps de prière, la grâce de Dieu descend sur celui qui se tient en sa présence comme la rosée qui descend imperceptiblement sur la végétation. Et c'est plus tard, dans les nécessités de la vie, que se font sentir, souvent inconsciemment, les effets de la prière. Par exemple, par la compréhension plus approfondie d'un passage de l'Écriture, par un élan de conversion ou d'amour pour Dieu ou pour ses frères, l'inspiration pour une entreprise délicate ou le conseil adéquat pour la personne qui a recours à votre paternité et parmi l'autre chose que suscite l'Esprit Saint. Une certaine ascèse est également indispensable, sans laquelle il ne peut y avoir aucun progrès spirituel personnel. C'est pour cela que l'Église orthodoxe propose des règles bien précises mais souples en matière de jeûne, qui peuvent varier selon les églises d'ailleurs. La continence conjugale liée au rythme liturgique, les carêmes, la fréquence de communion, tout cela fait partie de l'ascèse. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut en conserver l'idéal pour faire pour le mieux et se relever des chutes s'il y en a. C'est seulement comme cela que le prêtre peut aider les fidèles dans leur propre lutte, dans un mariage fidèle, chaste et ascétique selon Dieu, et porter avec eux leur lutte et leur joie comme de vrais pères, mais dans le secret de leur vie personnelle dont personne n'a besoin d'être témoin. Nous évoquions Saint Jean de Constante, mais combien d'autres prêtres, de prêtres pères spirituels, ont vu leur ministère fécondé par la chasteté absolue dans leur mariage, bien que ce ne soit évidemment pas la norme universelle. Une part importante doit aussi être consacrée à la lecture spirituelle, c'est-à-dire de la lecture en se laissant imprégner par la parole vivificatrice de Dieu dans les Saintes Écritures, Ancien ou Nouveau Testament, sans chercher à en faire une lecture savante ou intellectuelle. La parole de Dieu parle au cœur des personnes et c'est là qu'il faut la faire descendre, non dans la tête et la logique, même si celle-ci hérite des lumières envoyées par l'Esprit Saint pour l'édification du lecteur et celle de ses enfants spirituels qui lui sont confiés. La lecture quotidienne du synaxaire aide, elle aussi, à développer notre communion avec les saints fêtés à tour de rôle, qui ne manquent pas alors de communiquer au pasteur quelque chose de ce qui fut leur charisme de leur vivant. On tirera encore un immense profit à connaître les apophthegmes des pères et leurs œuvres spirituelles ainsi que les écrits, les homélies, les discours spirituels contemporains même, qui ne cessent d'adapter le message évangélique du chemin vers la déification en le mettant à la portée des enfants spirituels contemporains. Il faut être très circonspect à l'égard des mouvements qui insistent sur la paternité spirituelle et qui profitent souvent à leur insu de ce rôle pour exercer un pouvoir indu sur les personnes qui se confient à eux. Les prêtres qui se prennent pour des gourous et qui imposent à leurs ouailles des règles trop strictes ou qui veulent contrôler tous les détails de leur vie d'une manière étriquée font plus de mal que de bien à ces âmes qui quelquefois subissent un véritable martyre. Les prêtres doivent également être attentifs à ne pas répondre trop facilement aux disciples qui attendent tout de leur père spirituel pour abandonner toute responsabilité et qui croient que toute parole qui sort de leur bouche est une parole de vérité ou une prophétie. Nous connaissons tous de nombreuses caricatures de cette fausse paternité spirituelle et nous savons quels dégâts cela provoque. S'il y a encore une disposition d'esprit, cependant, qu'il faille évoquer au sujet des prêtres pères spirituels, c'est sans doute celle qui consiste à ne pas avoir peur de toujours annoncer la doctrine la plus traditionnelle de l'Église, de manière à brancher la vie des fidèles qui lui sont confiés sur celle du Christ. La morale, le progrès spirituel, la connaissance de la vérité, la charité suivront naturellement. C'est dont les fils de l'Église ont le plus besoin. Et c'est peut-être là le charisme, si je peux l'appeler ainsi, ou le défi, plus exactement, de notre 21e siècle,
dans un monde dont les valeurs traditionnelles craquent de toutes parts, et c'est sans doute de découvrir que Dieu est vivant, qu'il est miséricordieux et qu'il est actif dans nos vies et dans le monde, et qu'il veut le salut de tous.